C'est l'air préoccupé et concentré que Gilles Simeone est arrivé à l'audience ce matin, entouré d'élus, Jean Biancucci et Ia Santovani, de techniciens et de l'avocat de la collectivité de Corse. Ensemble, ils ont pris des notes pendant l'audience, commentant parfois les interventions à voix basse. Les conclusions du rapporteur public étaient connues depuis quelques jours. Il demande l'annulation de toutes les dispositions du PADUC concernant les espaces stratégiques agricoles, c'est-à-dire la cartographie du document, mais aussi de son chapitre 2 qui fixe les dispositions réglementaires. Pour les avocats qui attaquaient le PADUC, ces conclusions sont une belle victoire, mais certains espéraient plus. C'est déjà un très bon élément, mais nous soutenons également, et encore toujours aujourd'hui, la nécessité d'une annulation plus globale et totale d'ailleurs du PADUC, au titre d'une méconnaissance du principe d'équilibre entre développement et préservation de l'environnement. De son côté, Gilles Simeone y reste prudent et attend l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Si elle suit les conclusions du rapporteur, cela obligerait l'Assemblée de Corse à relancer une enquête publique et à revoter le PADUC. Per Agurcega a la majorité pour le faire, mais ce qui inquiète le président de l'exécutif, c'est la gestion de la situation à court terme. Si cette solution devait être tenue par la Cour administrative d'appel, on risquerait de se trouver pendant une période relativement longue, sans doute quelques mois, eh bien dans une situation de vide juridique, sans plus aucune disposition relative aux ESA, et certains pourraient avoir la tentation de s'engouffrer dans cette brèche pour délivrer des autorisations de lotir, des permis sur des terrains qui sont des ESA, ce qu'a reconnu par ailleurs la Cour administrative d'appel. Le président de l'exécutif trouve aussi des côtés positifs aux conclusions du rapporteur. En sortant de la salle d'audience, Gilles Simeone nous disait que pour lui, le PADUC est validé dans sa quasi-totalité, car dans son argumentaire, le rapporteur n'a pas attaqué le principe ou même le périmètre des espaces stratégiques agricoles, mais la cartographie en elle-même, c'est le seul vice du document, selon lui. Vu l'importance de ce dossier, la Cour s'est accordée un délai de 3 semaines minimum pour rendre sa décision, un temps que les élus de la majorité mettront à profit pour chercher une parade au vide juridique que pourrait créer la décision.